une chimiothérapie, et comme vous pouvez le constater, qui me déforme et qui me rend affreuse. Alors que je me regarde sur YouTube, alors c'est moi la vedette, le pseudo, ou alors ici sur Dailymotion, je me trouve tellement horrible et affreuse que j'ai plus du tout envie de faire des vidéos. Cependant, celle-ci, c'est juste pour vous indiquer que quand j'ai fait la vidéo sur l'an 3000, je vous ai indiqué que je voyais en Afrique, sur je ne sais pas combien de kilomètres de surface, il n'y a presque que le désert, de toute façon, mais tout est ravagé. Il n'y a plus de pôle Nord, j'ai déjà dit, alors, le désert est complètement ravagé, il n'y a plus rien en Afrique. Il y a plus de 200, un certain endroit où je me suis projeté, il y a 200 pyramides mayas. Et 200 pyramides mayas, de, comme je vous ai dit, au moins 800 mètres de hauteur, et puis j'avais dit 8 km de base, de surface, de coin. Et c'est énorme, il y a beaucoup de gens qui y habitent. Bon, et bien alors écoutez, je me suis toujours demandé si ce que je voyais dans le passé ou dans l'avenir, c'était des élucubrations, ou si vraiment je voyais, c'est quand je me projetais. Ben je crois que quelque part j'ai la réponse, puisque je l'ai trouvé dans la semaine du 10 septembre, c'est pas si vieux que ça, hein, dans ce journal, c'est un numéro qui s'appelle Valeur Actuelle. Ben, ça fait quand même plus de 15 ans que je suis abonné à Valeur Actuelle. Et on parle justement des gratte-ciel et des immeubles qui se font, enfin, que l'on construit aujourd'hui. Alors, il est indiqué que toutes les grandes tours qu'on fabrique, qui sont construites actuellement, dont celle de Dubaï, la Burj Dubaï, comme ils l'appellent, elle culmine à 818 mètres de hauteur, c'est indiqué. Mais ce qui a retenu mon attention, et qui vaut justement le fait que je fasse cette vidéo, alors, écoutez-moi bien, la palme du projet le plus spectaculaire revient à Tokyo. La société japonaise, je ne la fais pas la pub, mais c'est TCC Corporation, le dernier C, a annoncé la construction d'X-Speed 4000, une tour haute de 4 km. Cette dernière prendrait la forme d'une pyramide d'une superficie de 6 km² à sa base, comprenant 800 étages, hein, je vous avais dit 800 étages, ouais, et pourrait accueillir entre 500 000 et 1 million de personnes. Son coût serait entre 300 et 900 milliards d'euros. Bon, avec la crise, ils ont mis le projet en veilleuse. Donc, hein, je vous annonce quelque chose dans ma première vidéo, Projetons-nous les enfants de l'an 3000, la première, où je vous explique comment vivront les gens de la Terre. Et bien voilà, je vous avais parlé de pyramide Maya, j'arrivais même plus à trouver le mot tellement j'étais concentrée. Et bien voilà, il y a un projet, on y est déjà maintenant à l'imaginer. Alors là, il parle de 500 000 à 1 ou 2 millions d'habitants. Bon, j'avais dit que dans les tours, j'y voyais, je ne sais pas, dans les 200 000 habitants. Ça veut dire que si cette première tour qui va être la première fête qui vaut si cher dans quelques centaines d'années, il y en aura beaucoup. Et elles vaudront, il y en aura sur toute la planète, et les gens seront plus à l'aise dans ces tours. Comme je vous avais dit, elles fabriquées avec la nanopo technologique. Voilà. Alors, à tous ceux qui pourraient dire que je suis une imbécile, une idiote, une qui raconte n'importe quoi, hein, vous avez la preuve, Valeur Actuelle, c'est le numéro, hein, où c'est écrit ça, le numéro, chaque jeudi, Valeur Actuelle, page... alors, cela se trouve dans la page 29 du numéro du 10 septembre 2009. Et le numéro de ce journal, je ne trouve pas. De toute façon, vous allez www.valeur-actuel.com avec un S, et vous trouverez sans aucun doute cet article, il doit y être. Voilà. Il y a un an, j'avais annoncé les pyramides Maya sur la Terre, et on est en train d'y penser. J'avais raison, je ne suis pas si mauvaise que ça. Donc, on peut voir l'avenir. Et qu'est-ce que j'ai vu? Eh bien, j'ai vu l'avenir des villes, de la Terre. Et à l'an 3000, des villes qui sont protégées sur la Terre, hein, qui sont placées où nous sommes, marchands, il y a des villes dans Soudan, il y a des villes qui sont construites dans le désert, mais là, il n'y a pas de dôme protecteur. C'est la ville elle-même qui protège les gens. Et ce sont des constructions sur 850 mètres de hauteur, je dirais. Enfin, il me semble que ce sont comme des... en Égypte, là, comme...
Oui. Et mais peut-être celle des Incas, hein, elles sont arasées, il n'y a pas le pointu là, non, non. Voilà. Et donc, celui 150 mètres de hauteur, alors il y en a qui sont plus basses, qui font à peine 400 mètres, mais et donc étalées dans la largeur, elles font 200 mètres facile. Donc, c'est ces choses immenses comme ça. Alors, dans le désert, hein, alors, parce qu'il y a les tourbillons, il fait une chaleur, il y a assez. Voilà, le désert dans la fournaise du désert, vous imaginez, hein, c'est les pyramides dans la fournaise du désert, les pyramides Inca, puisque je crois qu'elles étaient coupées, les pyramides Inca. Alors, on peut aller de l'une à l'autre, je pense, hein, mais c'est plutôt des tunnels souterrains, hein, c'est pas. Non. Des tunnels souterrains qui vont rejoindre les pyramides. Alors, il y a la plus petite qui font 400 mètres, je vous ai dit, de hauteur, donc qui font 850. Bon. Et alors, à l'extérieur, là, sur le mur, quand même, courent des ascenseurs. Hein. Mais c'est les ascenseurs ultra rapides, cela, hein, parce que 150 mètres de hauteur, vous imaginez, c'est presque plus du double la tour Eiffel. Donc, il y a quoi comme étage? 40, 50, 100, 200 étages. Et donc, pour pouvoir passer d'un étage, mettons, 1 à 400, il faut aller vite. Hein. Donc, ce sont des sortes d'excroissances à l'extérieur. Et à l'intérieur, il y a des plateformes entières où on peut mettre une centaine de personnes. Imaginez des ascenseurs, mais plutôt des plateformes qui montent sans arrêt. Voilà. Qui passent d'un étage à l'autre sans arrêt, en permanence, ça ne s'arrête pas. Et les gens, eh bien, ils s'approchent, ils rentrent. Il n'y a pas de porte, hein. Chacun rentre comme ça. Et des familles entières, des enfants, des écoliers, des classes entières rentrent là, échangent des niveaux comme ça. Et les gens se placent d'un niveau à l'autre grâce à ces ascenseurs. Alors, il y a des endroits où il y a beaucoup de verre parce qu'on a mis des arbres, vous comprenez bien, les arbres, c'est le désert, donc il faut de la verdure. Les êtres humains ne peuvent pas vivre sans lumière, sans verdure. Bon. Donc il y a des oasis entiers comme ça, dans des endroits de ces cubes-là, enfin, de ces pyramides tronquées, et on y voit des oasis d'arbres, des bois, et il y a des bois, il y a des lianes, il y a un peu toute une sorte de jungle, il y a des hêtres, il y a des chênes pour la forêt française, il y a des lianes, avec tous les végétaux sont représentés, on entend les oiseaux, on les voit aussi, il y a des oiseaux, à la limite, il y a des oiseaux, hein. Des oiseaux, c'est des espaces immenses comme ça, où c'est comme si on allait dans un parc, visiter un parc, et on se trouve avec l'eau qui murmure, les fontaines, des oiseaux, ça chante, ça pépille, si vous voulez. On entend des bruits, des sonorités différentes selon les niveaux dans lesquels on se trouve. Il n'y a pas de niveau plus intéressant que notre, où on paiera plus cher le loyer ou l'appartement. Hein. Je ne sais pas s'il y a des locataires ou des propriétaires, mais. Il n'y a pas le premier niveau, le 30e, le 60e. Ils sont tous au même niveau parce qu'ils sont tous égaux en confort, en beauté, en facilité d'utilisation.